Bonjour, non, nous allons voir la TVA collectée. Non, la TVA collectée, c'est égal à la base d'imposition fois le taux de TVA. Donc, en général, dans la base, il y a les éléments imposables, le prix de vente hors taxe, les impôts et taxes liées à l'opération, les frais d'accessoires facturés, frais de transport, frais d'assurance, frais d'emballage perdus, etc. Les compléments de prix, majorations pour faibles factures, certaines subventions, les éléments non imposables, les sommes consignées, les emballages récupérables, les remboursements de frais, les indemnités réparatrices de préjudice, les éléments à retirer de la base, les réductions de prix, escomptes, de caisse, remises, ristournes, primes de fidélité. La base imposable est différente pour les livraisons à soi-même, dont c'est le prix de revient, bien fabriqué ou valeur bien, bien prélevé. Échange, double vente dont une partie du prix est payée en nature, valeur des objets perçus en contrepartie de ce livret, majorée de la soulte versée. Si la valeur réelle du bien repris est égale à zéro, alors la différence du prix consenti au client par rapport au prix de vente initial du bien vendu est un rabais. L'objet d'occasion. Bien, ce sont des biens meubles corporels ayant fait l'objet d'une utilisation encore propre ou être employés en l'état ou après réparation. C'est le régime de la marge sur les biens n'ayant pas ouvert droit à déduction lors de l'achat. Il existe quatre taux applicables pour les opérations réalisées en France continentale. Ces taux sont les suivants. Alors, le 2,1% sont comme les médicaments remboursables par la sécurité sociale et les produits sanguins, les publications de presse, la contribution à l'audiovisuel public, etc. Le taux de 5,5% les produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine, sauf quelques cas particuliers, comme la confiserie, les graisses végétales et la margarine, les équipements et services pour handicapés, les abonnements au gaz et à l'électricité et à la fourniture de chaleur, etc. 10%, ce sont les ventes à consommer sur place, à l'exception des boissons alcooliques qui relèvent du taux de 20%. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, les produits d'origine agricole et à usage agricole, les services d'hébergement et de transport de personnes, etc. Le taux de 20%, toutes les opérations qui ne relèvent pas des autres taux, majorité des produits facturés et des services. La TVA est exigible quand il y a fait générateur, c'est-à-dire le moment où une société commercialise ou un travailleur indépendant, un SGT, doit la verser à l'État. C'est la liquidation de la TVA. L'exigibilité fait référence à la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée doit être reversée à l'État. Cette date dépend de la nature de la livraison. Non, si c'est une livraison de biens, le fait générateur, c'est la livraison du bien et la date d'exigibilité, c'est la livraison du bien. Si c'est une prestation de service, le fait générateur est en fin de la prestation, la date d'exigibilité est à l'encaissement du prix. Une petite remarque, si facture payée en plusieurs fois égale plusieurs dates d'exigibilité. Les seuls prestataires de services peuvent opter pour acquitter la TVA au moment de la facturation. Il existe des exceptions d'exigibilité, comme le régime de la presse, le fait générateur est à la livraison du bien, la date d'exigibilité est à l'encaissement du prix, ou bien la livraison du bien dans le secteur agricole. Son fait générateur est à la livraison du bien, sa date d'exigibilité est à l'encaissement du prix. La vente avec pause pour un prix global. Le fait générateur est à la livraison du bien. La date d'exigibilité est à la livraison du bien. La livraison à soi-même. Son fait générateur est à la première utilisation du bien ou à la date de son prélèvement.
sa date d'exigibilité, à sa première utilisation du bien ou à la date de son prélèvement. Pour les acquisitions intracommunautaires, le fait générateur est à la livraison du bien, la date d'exigibilité, le 15 du mois suivant, celui au cours duquel le fait générateur est intervenu ou à la date de la facture installée antérieure. Et pour les importations, le fait générateur est au dédouanement et la date d'exigibilité est au dédouanement également. Parfois, la TVA n'a pas été payée par le client ou son taux est erroné. Dans le cas d'impayé, en ce qui concerne les prestations de services, il n'y a pas de régularisation à opérer, sauf constater comptablement l'annulation de la TVA au passif du bilan. Pour les ventes de biens, ça peut faire l'objet d'une restitution dès que la créance est irrécouvrable, après envoi d'une facture rectificative, avec mention « facture demeurée impayée ». Puis, dans le cas d'erreur de taux ou omission de TVA, le redevable de la TVA ne peut pas exiger de l'autre partie qu'elle supporte la charge de la TVA, sauf mention expresse.